Le premier régiment étranger a effectué un exercice régimentaire du 27 au 29 novembre 2012 dans le département du Var. Cet exercice avait pour but de travailler les fondamentaux du combat et la rusticité des légionnaires sur le terrain. À l'issue de 2 jours de marche et de combat, les compagnies engagées ont finalisé l'exercice par un combat de localité dans le village de Pourrières, où ils ont neutralisé la présence d'un groupement d'ennemis et repris le contrôle du village. Pour clôturer cet exercice, une prise d'armes s'est déroulée dans le village de Pourrières, avec remise de lettres de félicitations et 3 décrets de naturalisation par le maire de Pourrières. Ben écoutez, ça représente pour moi aussi la continuité d'une histoire familiale, puisque mon oncle est de votre famille, donc était légionnaire, aujourd'hui donc en retraite, et au sein de l'amicale à Puloubier. Et donc c'est également pour moi qui suis correspondant de défense, donc l'aboutissement d'une partie familiale et de mon engagement auprès des militaires en tant que maire et correspondant de défense à la fois. Au cours de cet exercice, les légionnaires du 1er RE ont prouvé qu'ils étaient capables de mener de front 2 missions. Assurer le soutien des services du Comleu, tout en conservant les qualités de combattants indispensables à tout légionnaire.